L'Institut français du Congo de Brazzaville était dans une ambiance électrique au rythme du cinéma congolais ce vendredi 7 février 2020 pour la deuxième édition des Kamba Awards, le trophée d'excellence du cinéma congolais. Au total, 12 catégories étaient en compétition cette année et la part belle est revenue au film Grave Erreur 2 du réalisateur congolais Richi Mbembele avec 6 prix à lui seul. Le prix du meilleur acteur premier rôle et celui du second rôle dans les deux genres, celui du meilleur réalisateur et du meilleur scénario. Ce que j'ai surtout envie de préciser, c'est que c'est pas tellement Richer son équipe, mais c'est le cinéma congolais qui remporte ces prix-là. Parce que quand on va parler de cette édition dans 20 ans, on dira qu'on avait attribué au cinéma congolais, par l'intermédiaire de Richi Mbembele, 6 prix parce qu'il avait fait un film qui était, par rapport à cette édition-là, meilleur que tous les films qui avaient été proposés à l'attention du jury. Je suppose que c'est son histoire, c'est sa réalisation, c'est la façon dont j'ai traité le sujet, c'est la façon dont je l'ai filmé, la façon dont j'ai filmé les acteurs et la façon dont j'ai représenté mon histoire tel que je le voulais. Dans les autres catégories de films, Une pour tous de Michel Gondo a remporté le prix documentaire. Le prix court-métrage est revenu à Quincy Matt avec La Dernière Crise et le prix du long-métrage au film Diboulou d'Albert Diaw. Un film dans lequel est sortie la révélation féminine de cette deuxième édition d'Orlia Limbe qui a perdu ses mots à l'estrade au moment de s'exprimer au micro. Honnêtement, je suis une habituée du micro, mais aujourd'hui, je ne sais pas trop. Je tremble en fait. Première réalisation, première nomination. Je ne sais pas, je n'ai pas les mots. Je dis merci au comité d'organisation, merci aux membres du jury, merci surtout à Michael Gondo parce que c'est grâce à lui en fait que j'ai ce trophée. Michael Gondo, c'est mon mentor, c'est lui qui m'a tout appris. Merci à Sky Vision Media. Merci à Albé qui me motive toujours. Merci à ma famille, à tout le monde. Merci, voilà. Pour l'initiateur de cet événement, la note est satisfaisante au vu des défis. Le travail n'a pas été facile pour nous, mais qu'à cela ne tienne, nous sommes arrivés aux résultats que vous avez vus. Et le plaisir est pour nous, mais l'honneur ne nous appartient pas, l'honneur revient. Donc ces différents cinéastes qui aujourd'hui font la fierté de notre pays et nous ne pouvons que nous en satisfaire et nous en réjouir. Dans ce combat de la relance du secteur cinématographique congolais, ces prix viennent récompenser les efforts et honorer les créations.